Et coucou tout le monde. Alors, je viens vous faire une petite vidéo, un petit ouverture de courrier. J'ai déjà ouvert, j'ai pas tout regardé. Donc, c'est de Patricia B et je sais plus son pseudo. Patricia B. Je sais plus, on va regarder et peut-être que ça me reviendra. Donc, voilà, je sors tout. Donc, super joli ça. Donc voilà, ça c'est sa carte sur le thème de l'automne. Très très joli. J'aime bien son embellissement en bois là. J'aime trop. Balade des champignons, automne. Elle est très jolie sa carte. Je me demande si je vais pas lui piquer l'idée, m'en inspirer du moins. Parce que c'est très très joli. J'aime beaucoup. Alors, c'est avec plaisir que j'ai préparé cet échange. J'espère que cela te plaira amicalement. Scrapbooking patounette, ma page scrap. Ok. Donc là, vous avez un marque-page qui est très très joli également. Bonne lecture. Très joli, j'aime beaucoup. Je pourrais aussi peut-être m'en inspirer pour faire un tuto lu et approuvé derrière. Très joli. Je ne sais pas où c'est qu'elle a eu son papier. En tout cas, ton papier est magnifique, Patricia. Ensuite, elle m'a mis donc des découpes de d'arbres comme ça, de troncs d'arbres. En fait, c'est une seule découpe. Et justement, hier, mon amie Marilène m'avait envoyé des créas qu'elle avait trouvé sur Pinterest, et justement il y avait un truc comme ça. Alors, ça va être galère pour le coller, mais ouais, ça pourrait être une idée. Je vais lui envoyer la photo de ça à Marilène pour dire: regarde, hier tu m'as envoyé un truc, une inspiration à Pinterest, il y avait une découpe comme ça. Donc je vais le mettre de côté. Et il y a une jolie ATC comme ceci. Balade, balade. Moment agréable. C'est vrai que comment on dit? C'est vrai que les balades en forêt, c'est toujours des moments agréables de balade. Donc c'est la ATC automne qui a été réalisée le 26/9/2023 par Scrapbooking Patounette. Échange de cartes ATC Family Love. Ah oui, c'est le groupe de, comment elle s'appelle? De Cindy H. Elle a une chaîne YouTube. Et donc c'est l'ATC une sur une. Donc voilà, elle a une page Facebook, donc je vous mettrai si j'y pense, Inch'Allah. Je vous mettrai le lien de sa page Facebook. Et là, alors, il y avait une carte comme ça qui avait une épingle qui tenait le petit truc. La petite carte. Donc, on va ouvrir. C'est une carte pochette. En tout cas, c'est très joli. Elle m'a mis des tags. Très joli, regardez. Une pochette là. Très jolie. Pose automnale. Trop beau. J'aime beaucoup ce thème-là. Franchement, c'est mon thème préféré. Ma saison préférée avec l'hiver. Je me demande où c'est qu'elle a eu ces petites images là, mais en tout cas, c'est trop beau. En tout cas, ça inspire tout ça. Alors là, elle m'a mis plein de petites feuilles comme ça. Alors ça serait pas mal de les utiliser pour faire des fonds sur une carte ou une ATC. En tout cas, merci, hein, ça m'a donné des idées.
C'est très très beau. Franchement, tu fais de très belles créations. Là, il y a du feuillage. Il y a un petit renard là. Je vais vous montrer d'abord le feuillage. Feuillage comme ça. Feuillage comme ça. Comme ça. Et un autre comme ça. Et un petit renard. Il est trop beau. Ça, je pense que je vais les réutiliser pour la création que j'aimerais faire sur le thème de l'automne pour vendredi. Donc, je vais garder ça à proximité. En tout cas, merci beaucoup, hein. C'est ton petit échange là, tout est magnifique. Et je remercie par la même occasion Cindy pour avoir organisé cet échange parce que franchement, c'est trop trop beau. Et j'aime bien son idée de pochette là. Je vais voir où c'est qu'elle a repris le c'est qu'elle a repris le tuto pour faire la pochette. Si elle peut m'envoyer le lien. Voilà. Donc, je te remercie Patricia pour cet échange qui est très magnifique. Et nous, on se retrouve très prochainement. Bye bye.